1475, les troupes de la Confédération suisse ont envahi le pays de Vaud. Les redoutables guerriers alémaniques, venus de Berne, ont mis les villes à sac, massacré les garnisons, occupé le pays, tandis que les bandes de pillards mettent la campagne à feu et à sang. Dans l'Europe féodale, ce sont toujours les manants qui font les frais de la guerre. Amis ou ennemis, tous les soldats pillent et violent. Les 8 cantons suisses, emprisonnés dans leurs montagnes, veulent assurer leur droit de passage vers Lyon et la vallée du Rhône. Or, le pays de Vaud appartient au duché de Savoie, qui ne respecte plus son traité d'alliance avec Berne. Alors les Suisses sont passés à l'attaque. Le duché de Savoie est alors gouverné par une femme de 40 ans, Yolande, veuve d'un mari épileptique qui lui a fait 10 enfants. Une femme de tête, affirme Marie-Josée de Savoie, ex-reine d'Italie. La duchesse Yolande de Savoie était la sœur de Louis XI. Et elle était destinée au duc Amédée IX de Savoie dès l'âge de 3 ans. Donc elle avait quitté le royaume de France pour le duché, où elle a été élevée entièrement. C'était une petite femme de stature en dessous de la moyenne, très gracieuse, très d'une grande vivacité d'esprit, d'une grande bonté, d'une grande générosité, d'une profonde piété comme son frère et d'une grande adresse politique. Elle a bien du mal, la petite veuve de Savoie, avec son frère, le roi de France, qui intrigue avec les Suisses pour se débarrasser d'elle. Alors elle appelle au secours son cousin, le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire. Le prince le plus riche et le plus puissant de son époque, Charles de Valois, cousin du roi de France et son rival, par la grâce de Dieu, duc de Bourgogne, de Brabant et de Luxembourg, comte de Flandre et d'Artois, palatin de Hainaut, de Hollande et de Zélande, un véritable empire. Dès son jeune âge, il a hérité de son père, Philippe le Bon, la vieille ambition des ducs de Bourgogne, restaurer l'héritage de Charlemagne, le royaume de Lotharingie. Lorsque Charles le Téméraire est devenu duc, son père lui avait légué au nord, qui correspond à peu près aux Pays-Bas, la Belgique et au nord de la France, et l'autre formé par la Bourgogne et la Franche-Comté. Entre les deux, il y avait une solution de continuité, et c'est cette solution de continuité que le Téméraire va essayer de faire disparaître à la suite de manœuvres qui ont mêlé la diplomatie et la guerre et qui ont alarmé d'ailleurs ses voisins, et notamment les cantons suisses. Mais un autre aspect de cette politique, c'est que pour le duc, il ne s'agit pas seulement de rassembler des principautés, il s'agit aussi de transformer une collection de petits états juxtaposés en une unité plus prestigieuse qui serait un royaume. Et comme seul l'empereur du Saint-Empire pouvait donner un titre de roi, ça amènera la maison de Bourgogne à entrer en relation avec l'empereur Frédéric III. Et on a pu croire un moment, à Trèves en 1473, que l'affaire était jouée, que Charles le Téméraire, qui avait d'ailleurs amené son sceptre, serait couronné. Et puis rien n'a été fait, l'empereur a déménagé la cloche de bois et a commencé ainsi la série d'échecs qui va petit à petit amener la décomposition de l'État bourguignon. Fort, beau, ténébreux, Charles est le dernier des princes chevaliers, le grand maître de la toison d'or. Pour lui, l'honneur est une religion, la gloire une passion. Il a aussi de gros défauts, orgueilleux, buté, coléreux. Il a 43 ans et il vieillit mal. Passionné de tournois, il a été surnommé le Hardy, pour avoir rompu 18 lances à l'âge de 19 ans.
La guerre de 100 ans est en train de finir, mais Charles vit toujours à l'heure des chevaliers de la Table Ronde. L'empire des ducs de Bourgogne est à son apogée. Sa vraie capitale n'est plus Dijon, mais Bruxelles. Sa richesse, les provinces du Nord, les Flandres et les Pays-Bas, avec leurs villes opulentes, Lille, Anvers, Bruges, Gand. Le 15e siècle flamand rivalise avec la Renaissance italienne. Grâce à ses palais, ses artisans, ses peintres, les Van Eyck, les Van de Velde, les Memling, qui couvrent les cathédrales de retables inoubliables. Grâce à ses tapisseries de Tournai, ses dentelles de Bruges, ses tapis d'Arras et ses manuscrits aux riches enluminures. Charles aime les arts, mais il préfère la guerre. Il l'a fait depuis 7 ans contre son cousin le roi de France, son ennemi acharné. En volant au secours de Yolande de Savoie, il fonce tête baissée dans le piège que lui tend Louis XI. Car c'est bien Louis XI qui excite les Suisses et qui les paie. C'est lui qui a manigancé tout cela. Louis XI, que ses ennemis appellent la reine universelle, l'araignée. Nous sommes dans une de ces demeures qu'affectionne Louis XI pour ses étapes. Point de tapisserie au mur, pas de luxe, comme à cette cour de Bourgogne qui le hait. Point de luxuriance non plus comme dans toutes ces maisons d'Anjou dont il a gardé un horrible souvenir. Pas de courtisans non plus, mais seulement une escorte, un conseiller, un scribe, ses chiens. Louis XI n'est point là pour le plaisir, il travaille. Louis XI, il lui faut la Bourgogne. Il ne lui faut pas seulement la Bourgogne pour des raisons d'ordre personnel, mais aussi parce que la Bourgogne, si elle n'est pas française, rompt l'unité du royaume et surtout empêche le développement économique de la nation, qui est un des objectifs majeurs de ce monarque. La Bourgogne est en effet entre Paris et Lyon, exactement au carrefour de la route qui permettrait de rejoindre l'Italie, c'est-à-dire les ports les plus riches de l'époque, avec les Flandres et la Champagne. Si Louis XI ne contrôle pas cette zone centrale, et peu lui importe au fond le Luxembourg et même les Pays-Bas, il est sûr que son empire ne pourra jamais fonctionner et que la France ne sera jamais prospère. Les adversaires qui vont se heurter, Louis XI les connaît bien. Les Suisses d'abord, qu'il a vu se battre quelques années plus tôt, il a été frappé par leur ordre de bataille. Et Charles le Téméraire, qui connaît encore mieux puisqu'il a été réfugié à la cour de Bourgogne où il a plus ou moins comploté d'ailleurs contre son père. Là, Charles, il le connaît et il sait qu'il représente exactement tout ce qu'il est. Et il est d'ailleurs assez curieux que les trois adversaires qui vont se rencontrer, les trois protagonistes de cette bataille, symbolisent trois courants de l'histoire européenne. Charles le Téméraire, c'est la chevalerie, le faste, l'honneur militaire, la féodalité. Louis XI, c'est l'État, la puissance économique, l'État centralisé et le pouvoir. Quant aux Suisses, c'est la démocratie non représentative, directe, une troisième forme de gouvernement que l'Europe connaîtra plus tard. Les Suisses, Louis XI les a découverts 30 ans plus tôt, en se battant contre eux, alors qu'il était dauphin. Il les a écrasés avec ses bandes d'écorcheurs. Mais il a été impressionné par le courage de ces gens qui se sont fait tuer jusqu'au dernier. Depuis ce jour, il en a fait des alliés. Et aujourd'hui, il les lance contre son bon cousin Charles. Un cas unique dans l'Europe féodale que ces petits cantons suisses, théoriquement vassaux du Saint-Empire romain germanique, mais souverains et farouchement jaloux de leur indépendance. Liés par toute une série de pactes compliqués, ils forment une confédération de 8 cantons, Zurich, Berne, Lucerne, Uri, Schwyz, Unterwald, Zug et Glaris. La Suisse du 15e siècle, c'est un État qui n'est pas encore formé, qui est en pleine formation.
Il y a différents styles de formation d'États au cours des siècles. Il y a des États qui se sont formés autour des lacs, autour des mers. La Suisse, c'est un État qui s'est formé à cheval des Alpes et le long des axes de communication qui traversent ces Alpes. Position stratégique, à la croisée des grands axes européens. Toutes les caravanes de marchands qui vont du Rhin en Italie ou du Rhône au Danube passent par ces défilés ou ces cols des Alpes que gardent les Suisses. C'est ici qu'est née la Suisse, dans ces montagnes qui sont autant de forteresses. Les bouviers alémaniques des cantons d'Uri, de Schwitz et d'Unterwald ont réussi les premiers à conquérir leur indépendance. Dès le XIIIe siècle, ils ont chassé leurs seigneurs autrichiens. Aujourd'hui encore, ils vivent comme il y a 500 ans, perdus dans leur petite vallée, au même rythme, avec les mêmes gestes. Taillés dans le granit, ces rudes montagnards, au parler à la fois guttural et chantant, sont déjà des hommes libres, chose rare au XVe siècle. Mais ces bergers placides, bucoliques, peuvent devenir des guerriers sauvages quand ils se déchaînent, car ils se battent pour leur liberté et non pour un seigneur étranger. La bataille de Mora, ils en rient encore 500 ans après. Qu'est-ce qu'on lui a passé à Charles le Téméraire? Une bonne raclée, hein? Et par trois fois. Plus tard, des villes ont rejoint les petits cantons montagnards, des cités de riches marchands qui élisent leurs conseils et qui entendent bien rester libres, elles aussi. Comme Lucerne, au bord du lac des Quatre Cantons. Ou Zurich, la grande cité marchande. Et surtout Berne, la patricienne, la plus fière, la plus ambitieuse, et qui fait figure de chef de file. Les paysans ont été les grands constructeurs des États. Et ce n'est pas un hasard que le canton de Berne, avec un caractère si paysan, est devenu si grand, tandis qu'un petit canton comme Appenzell, qui avait été guerrier, était berger, est resté petit, parce que les bergers savent conquérir, les paysans savent tenir et organiser. Autre originalité de la Suisse, le système des milices, qui dure encore aujourd'hui. Chaque citoyen conserve ses armes chez lui et peut être mobilisé en un clin d'œil. Alors que les armées de l'époque sont composées de nobles et de mercenaires, les Suisses ont déjà le service militaire obligatoire. C'est la première nation en armes. À l'appel du légendaire taureau d'Uri et de ses trompes en cornes de buffle, la Confédération peut, grâce à ce système, levé jusqu'à 60 000 hommes, la plus grande armée d'Europe. C'est ainsi qu'en 1475, les Suisses ont envahi le pays de Vaud, ravagé la campagne, brûlé les villes et installé des garnisons un peu partout. L'année suivante, le duc de Bourgogne, appelé par Yolande de Savoie, traverse le Jura avec une armée de 20 000 hommes et vient mettre le siège devant Grandson. 500 Suisses seulement, des Bernois surtout, défendent le château, installé sur le bord du lac de Neuchâtel. Berne a bien essayé de leur envoyer des renforts de nuit, mais les bateliers étaient ivres. Ils sont arrivés trop tard et ont été repoussés. Au bout d'une semaine, les 412 survivants de la garnison sont obligés de se rendre au Bourguignon. Sans pitié,
Charles en fait pendre la moitié aux arbres des environs et fait noyer l'autre moitié dans le lac. Œil pour œil, dent pour dent. Voilà donc Charles solidement installé à Grandson, d'où il compte bien reconquérir tout le pays de Vaud. Mais en 15 jours, les Suisses rassemblent 18 000 hommes et se portent au-devant des Bourguignons au cri de « Grandson, Grandson ». Au matin du 2 mars, l'avant-garde suisse se heurte aux Bourguignons qui prennent d'abord l'avantage. Mais soudain, c'est la panique. Les Bourguignons se mettent à fuir éperdument. Les mercenaires italiens, les archers anglais, les chariots, les filles à soldats prennent la fuite. Que s'est-il passé? Un tragique malentendu. Le duc de Bourgogne ayant fait reculer son artillerie pour mieux la placer sur une colline, les soldats ont cru à la retraite. Seul, face à la tourmente, Charles essaie d'endiguer le flot. Les fuyards seront massacrés et détroussés par les bandes de pillards qui suivent les armées comme des vautours. Charles, lui aussi, est obligé de fuir honteusement avec une petite escorte, la rage au cœur. Il a dû abandonner toute son artillerie, et les Suisses sont en train de piller son camp, ses tentes, sa chapelle, son trésor, ses diamants qui sont les plus gros d'Europe, sa célèbre tapisserie aux mille fleurs, sa vaisselle d'or et d'argent, toute sa fortune. Il enrage, lui, le très haut et très puissant duc de Bourgogne, vaincu par ces Suisses qu'il traite de peuple de brutes, de ramassis de paysans. Alors qu'il n'y a même pas eu bataille, il n'a pas perdu 1000 hommes. Dix jours plus tard, Charles a rameuté ses soldats dispersés dans la nature et il installe son camp ici, près de Lausanne, dans la plaine du Loup. Il faut repartir à zéro. En quelques semaines, il fait fabriquer de nouvelles tentes, fait venir 150 canons de Lorraine et de Luxembourg, lève de nouveaux impôts en Flandre. Pourtant, il est tombé malade. Il souffre de l'estomac et crache le sang, n'importe. Il déploie une activité fébrile, commande des armes à Milan, de longues piques à Genève. Il est hors de lui, possédé par l'idée de vengeance, constate l'ambassadeur du duc de Milan, Gian Pietro Panigarola. Depuis la défaite de Grandson, Monseigneur de Bourgogne ne pense, est tenté et persécuté par l'idée de battre les Suisses. Et c'est inutile de lui conseiller la prudence. Il n'écoute aucun conseil. J'ai demandé à Monseigneur de Bourgogne si les Suisses n'avaient pas fait une ouverture de paix. Il a répondu négativement et il m'a dit « Quiconque m'en parlerait, fût-il mon meilleur ami, il deviendrait mon ennemi. » Et il a ajouté «
j'ai fait vœu à Dieu et à Saint-Georges de battre les Suisses ou de mourir sur le champ de bataille. Au printemps, tout est prêt pour la revanche. L'armée bourguignonne repart en campagne. L'ambassadeur Panigarola la suit. Il ne quitte pas le duc, dont il est l'ami et le confident. Et il écrit presque chaque jour à son maître, le duc de Milan. Il est inquiet. Charles de Bourgogne a tort de sous-estimer les Suisses. Son orgueil lui fait perdre la raison. Fin mai, Panigarola annonce au duc de Milan « Monseigneur de Bourgogne a quitté son camp devant Lausanne pour aller mettre le siège devant Morat. » Pourquoi Morat? En assiégeant cette place, tout près de la frontière du canton de Berne, Charles espère attirer toute l'armée suisse hors de ses montagnes pour la battre en rase campagne. Morat, c'est une petite ville fortifiée du pays de Vaud, juste à la limite entre la langue française et la langue allemande. Berne l'a occupée l'année précédente et y a installé une solide garnison, forte de 2000 hommes, sous le commandement d'un chevalier bernois, Adrien de Bubenberg, baron de Spitz. Ayant appris que Charles marchait sur Morat, Berne a demandé des renforts aux autres cantons, mais ceux-ci ont refusé. Ils se prennent pour les maîtres de la Confédération, ces Bernois, et bien qu'ils se débrouillent. Aussi les défenseurs de Morat contemplent-ils avec inquiétude l'arrivée des armées bourguignonnes qui viennent le 9 juin installer leur camp ici, sur la colline du Bois d'Omingue. Le camp bourguignon, c'est une véritable ville. Près de 30 000 âmes, dont 20 000 soldats et 10 000 civils. On y parle 4 ou 5 langues, l'italien, le français, l'allemand, l'anglais, le flamand. Plus de 3000 courtisanes et filles à soldats. Charles a engagé les meilleurs capitaines de son temps, des condottières célèbres comme Troilo, les frères Lignana, Galeotto. Mais le moral de ces troupes hétéroclites est mauvais. Les mercenaires sont mal payés. Des rixes éclatent constamment entre les archers anglais, les halbardiers flamands, les arquebusiers lombards. Au milieu de tout cela, Charles va, vient, s'agite, veille à tout. C'est un maniaque du détail. Il commence à s'énerver car Morat résiste depuis 10 jours. Malgré les bombards de Bourguignonne qui ouvrent de larges brèches dans les fortifications, la garnison effectue d'audacieuses sorties. Et voilà que les Bernois envoient des renforts qui harcèlent ses arrières. Furieux, il envoie 8000 hommes pour boucler la frontière et s'emparer des ponts sur la Sarine, comme celui de Gumenen, par où arrivent les renforts de Suisse. Mais les Bernois repoussent toutes ces attaques et réussissent à conserver les ponts. Cette fois, le taureau d'Oury appelle aux armes. Le duc de Bourgogne a osé s'attaquer au territoire de la Confédération. C'est la mobilisation générale. Tous les cantons qui jusque-là refusaient de soutenir Berne marchent maintenant au canon comme un seul homme, tous ligués contre Charles, le tigre altéré de sang. Ils se sont tous donné rendez-vous devant Morat, la croix de Schwitz,
l'ours de Berne, la crosse de Bâle, le taureau d'Uri, les clés d'Unterwald. Leurs alliés, les chevaliers de Lorraine qui portent la double croix, sont accourus du nord avec leur jeune duc René, qui a 26 ans et que le bourguignon a chassé de sa capitale, Nancy. D'autres villes alliées ont envoyé des contingents de Suisse et d'Alsace, comme Colmar, Strasbourg, Bâle, Neuchâtel, Saint-Gall. Ils sont 26 000, dont 16 000 Suisses, conduits par des chefs qu'ils ont choisis. Hans Waldmann, le bourgmestre de Zurich, Fabern, Hallwyl. On les reconnaît à leur croix blanche et à leur casque qu'ils ont baptisé le chapeau de fer. De solides gaillards bien entraînés au maniement de la longue pique et de l'arbalète. Voici l'armement d'un arbalétrier, le plastron simple, le poignard, une épée, le cric que je vais montrer en action tout de suite, et quelques sachets, des sacs en cuir pour mettre les accessoires. Et enfin, l'armement principal, c'est quand même l'arbalète, tel qu'il se présente ici, avec l'arc en corne. Voici le carreau en frêne, avec deux petites ailettes derrière, pour stabiliser le vol de ce projectile. La force de pénétration de cette arme est assez considérable et était infiniment supérieure par rapport à l'arc des Anglais ou des Bourguignons. Voici le cric. C'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'on appelle ce type d'arbalète Kramken. C'est le terme correct. On a pu tirer facilement à 200 jusqu'à 250 mètres et de toute façon jusqu'à une distance de 150 mètres, il était encore tout à fait possible de traverser un plastron tel que ces deux soldats le montrent ici. Ils sont maintenant tout près de Morat. Certains ont fait 140 km à pied en 3 jours. Un exploit. Et ils vont installer leur camp pour la nuit derrière la forêt du Gambal. Ici, pas de tente luxueuse, pas de tapisserie ni de vaisselle d'or. Ici, tout le monde parle la même langue, l'allemand. Ici, pas de différence entre les chevaliers et les bergers de la montagne, entre les bourgeois et les soldats de métier, les soldats, entre les enfants perdus, mauvais garçons racolés dans les villes qu'on lance en avant et qui se savent sacrifier, et les marchands bien nourris qui forment l'arrière-garde et qui achèvent l'ennemi à grands coups de hallebarde. Tous des hommes libres, truculents, farouches, qui ne reconnaissent aucun chef. Ils vont discuter pendant des heures pour savoir qui commandera la manœuvre. Finalement, ils éliront pour modérateur un Alsacien, un Strasbourgeois, Herter von Herteneck. Yeah.
dit que les Bourguignons étaient trois fois plus nombreux qu'à Grandson. Mais cela ne leur fait ni chaud ni froid. Erschreckt niemand. Wir werden Sie mit der Gotteshilfe alle töten. N'ayez crainte. Avec l'aide de Dieu, nous les tuerons tous. Il a plu toute la nuit. Le lendemain, tout est calme. Étrangement calme. Du côté bourguignon, on se pose des questions. Mais que font les Suisses? Vont-ils attaquer ou pas? Le duc de Bourgogne n'y croit pas. Mal renseigné, il vient une fois de plus en reconnaissance à l'oreille du bois. Monseigneur, les Suisses nous attaquent. En fin de matinée, les messagers se succèdent. Les Suisses sont là, tout près, toute une armée. Ils approchent. J'entends un merveilleux bruit d'ennemis, s'exclame tout joyeux son demi-frère, le grand bâtard de Bourgogne. Mais Charles reste sceptique. Aussi l'ambassadeur Panigarola s'inquiète. Le camp des Suisses n'est qu'à 1 mille d'ici, dans les marais. Hier, ce matin, nous y sommes allés plusieurs fois en reconnaissance. On ne peut pas bien le voir, il est caché par les bois et par les forêts de joncs. Mais sa seigneurie estime que les Suisses ne sont pas un nombre suffisant pour livrer bataille. Et il en est d'autant plus convaincu que cette nuit, il n'a gardé que una miseria di copertura, 2000 fantassins et 300 lances de couverture. Et il a renvoyé le reste de ses troupes se reposer dans leurs tentes. Moi et les autres conseillers, on lui a dit ce qu'on pensait, qu'on devrait être en armes, sur le plateau même. Mais il n'y avait pas moyen de convaincre sa seigneurie que les Suisses étaient si près et qu'ils pouvaient nous surprendre. Il renvoyait continuellement sa décision. À l'aube, vu que les Suisses n'étaient pas venus pendant la nuit, il croyait encore plus que son opinion était la bonne. Maintenant, c'est midi, la pluie a cessé. De partout nous parviennent des messages en disant que les Suisses s'approchent à travers les bois. Mais sa seigneurie affirme de la façon la plus catégorique que les Suisses ne viendront pas, que c'est une ruse pour lui faire lever le siège de Morat, ce qu'il ne ferait jamais. Je n'ai jamais vu ainsi sa seigneurie, tanto insensato, si éperdu, lui qui d'habitude est sagace, l'œil ouvert et sur ses gardes. Je suis très inquiet. Les voilà, les Suisses. Mais que diable faisaient-ils? Il est déjà midi. Ils ont passé la matinée à sécher leurs armes à feu, à adouber des chevaliers et à discuter pour savoir s'il fallait attaquer ou non. Maintenant, ils se glissent à travers bois, alors que Charles ne les attend plus. Lazare a voulu que Charles Téméraire a commis une faute capitale en jugeant que les confédérés n'attaqueront pas le 22. Par conséquent, il avait dans sa position de l'armée seulement 2000 à 3000 hommes. Voilà la fameuse et verte fortification des Bourguignons, longue environ de 600 mètres. L'aile de l'artillerie avançant vers le fossé de Bourg, fossé bien profond, un obstacle dans le terrain boisé. Ici, maximum 2 compagnies d'ordonnance, peut-être 2000 hommes bourguignons, l'infanterie au centre, les archers aux ailes, et peut-être 2 à 300 cavaliers seuls sur le flanc droit. En plus, l'artillerie forte de 550 à 200 pièces sur l'aile. Maintenant, qu'est-ce que se passe après midi? L'armée confédérée sort du bois de l'autre côté et se lance dans un pas assez rapide. L'avant-garde
de 5000 hommes, soit 3000 longs pics, 2000 peut-être les tireurs vers l'angle de la haie verte. Il y a donc déjà dans cette première phase une supériorité numérique écrasante de 5000 confédérés contre 2000 bourguignons. La forêt avance, une forêt de longues piques, arme terrible de 5 à 6 mètres de long, l'arme des Suisses. Derrière la haie verte, les artilleurs bourguignons attendent le choc. Le cœur serré, ils allument leurs torches pour bouter le feu aux mèches des couleuvrines. C'est l'attaque. Les enfants perdus courent devant les pics, font le coup de feu et retournent en arrière pour recharger leurs bâtons à feu. L'assaut des Suisses a échoué. L'artillerie bourguignonne a fait des ravages. Près de 1000 morts. Mais voilà la seconde vague qui surgit, Uranais en tête, poussant des cris affreux. Le son des fameuses trompes d'Oury glace le sang des bourguignons. Les Suisses enlèvent la haie verte. Chez les Bourguignons, c'est la panique. Le duc de Bourgogne arrive enfin sur le champ de bataille. Mais c'est déjà trop tard. Lignana, Troilo et Somerset, le chef des archers anglais, ont été tués. La partie est perdue. Un seul salut, la fuite. Alors commence un massacre effroyable. Cette fois, les Suisses poursuivent les Bourguignons jusque dans le lac, où ils les bousculent et les achèvent jusqu'au dernier. L'ambassadeur Panigarola a fui à bride abattue, avec dans les yeux les images de cette boucherie atroce. Au moins 10 000 Bourguignons, peut-être 20 000, massacrés de sang-froid après la bataille, percés de flèches, égorgés, décapités, empalés sur les longues piques. À voir. Attendez.
Ah, toute cette défaite, je peux la relater exactement puisque je l'ai entièrement vécue, j'ai tout vu, j'ai assisté à tout. Le cœur et l'âme me tremblent encore après la chasse que m'ont donnée les Suisses. Mais dans un si effroyable carnage, chacun doit déjà être content et même très content d'avoir sauvé sa vie. L'ambassadeur d'Espagne qui fuyait à côté de moi a reçu deux grands coups d'épée sur la tête. Moi, j'ai éperonné mon cheval et per Dio grazia ho scampato la vita, mais je n'oublierai jamais un tel péril. Uno spettacolo tremendo, sconsolante. Et tout s'est passé très vite. J'étais avec Monseigneur de Bourgogne dans sa tente, c'était à peu près midi. La pluie qui avait commencé à tomber à minuit venait à peine de s'arrêter. Et c'est à ce moment-là qu'on alerta sa seigneurie. Les Suisses attaquent. Et enfin, il donna l'ordre qu'on attendait d'alerte, le bout en selle. Il n'y avait que son médecin, Messire Matteo Clerici, et moi-même, pour l'aider à s'armer. Et même alors, il était impossible de le convaincre que l'ennemi était si près. Et il mit tellement de temps à monter à cheval que lorsqu'il arriva là-haut sur le plateau, les nôtres commençaient déjà à tourner le dos. Et partout, les soldats fuyaient. Il meno di un miserere, à moins de temps qu'il en faut pour dire un miserere. C'était la débandade complète. Et ceci sans combattre, sans même faire face. Pour s'être laissé surprendre, attaqué à l'improviste, le camp a été détruit complètement. Et je n'avais jamais vu Monseigneur tanto insensato, si perdu. Il ne savait plus que faire, lui qui d'habitude est sagace, l'œil ouvert, et qui sait ce qu'il faut faire. Je attribue ça à la volonté divine. Aut quod sica fata darent. Les Suisses ont envahi le camp des Bourguignons. Ils vont y festoyer, ribauder joyeusement pendant 3 jours, se partageant les filles et le butin. Tout cela au milieu des cadavres, détroussés par les enfants perdus, et qu'emportent les bourgeois de Morat, réquisitionnés pour cette sinistre corvée. En un an, les Suisses ont dépouillé le duc de Bourgogne. Ils lui ont tout pris, son prestige, ses armées, ses richesses. Le butin de Grandson et Morat est en effet le butin le plus important du XVe siècle. Un butin de guerre d'une envergure incroyable, jamais vue auparavant. Il faut se rappeler que le butin classique, disons des XIIIe, XIVe siècles, se formait d'armes et de drapeaux. C'était les trophées classiques. Tandis que dans le butin de Bourgogne, les confédérés trouvaient non seulement toute une cour ducale, des trésors, toute une sacristie, des armes, des canons, une artillerie d'ailleurs assez complète pour l'époque, mais aussi des tapisseries, des pièces de brocart et de soie.
Ce fut justement ce côté exceptionnel du putain qui irritait les confédérés. Ils gardaient bien entendu les vêtements, les étoffes pour la vaisselle en argent, un argent doré. Ils ne savaient pas très bien comment s'en débarrasser. Ils vendaient les pièces à des prix tout à fait dérisoires sur un marché clandestin. Parce que la vente derrière le dos des confédérés était bien entendu strictement défendue. Dans le lac de Mora poussent aujourd'hui d'étranges algues rouges qui font de grandes taches à la surface de l'eau. Les Suisses les appellent le sang des Bourguignons. La preuve était faite. Charles le Téméraire, que tous considéraient comme un grand stratège, était en retard d'une guerre. Charles le Téméraire a commis deux fautes. La première faute, c'était que son armée n'était pas en position au moment de la bataille, mais aussi, si cette armée aurait été en position, elle aurait probablement perdu la bataille. Parce que Charles le Téméraire n'a pas estimé que les confédérés portaient un armement de protection assez fort, des armures et des casques qui les protégeaient contre les flèches. On pourrait dire même que la bataille de Mora, comme la grande confrontation historique entre les archers anglais et bourguignons et les piquenaires suisses, n'a pas eu lieu à cause de cette faute de Charles le Téméraire. Mais la conséquence était que toutes les armées d'Europe, surtout la France, aussi l'empereur comme gendre de Charles le Téméraire, ont équipé leurs troupes après de longs pics et d'armures d'après le modèle des Suisses, et l'archer anglais et bourguignon disparaît des champs de bataille de l'Europe. La bataille de Mora va changer la carte de l'Europe. C'est la fin du duché de Bourgogne. Les Suisses n'en tireront aucun gain immédiat de territoire, mais la réputation méritée d'être les meilleurs soldats d'Europe. Le grand vainqueur de Mora, qui pourtant n'y était pas, c'est Louis XI. Il annexe aussitôt la Bourgogne, la Picardie et l'Artois au royaume de France. Le reste des possessions bourguignonnes ira au Saint-Empire romain germanique. Yolande de Savoie conservera son duché, mais redeviendra l'allié des Suisses et du roi de France. Enfin, le jeune René de Lorraine récupère son duché et s'installe dans sa bonne capitale de Nancy. C'est contre lui que se tourne Charles le Téméraire après Mora. Mais le grand-duc n'est plus que l'ombre de lui-même et n'a plus que l'ombre d'une armée. Il marche au suicide. Après 2 mois de siège, son armée est écrasée le 5 janvier 1477 devant Nancy par les Lorrains, les Suisses et les Alsaciens. Dernière défaite, dernier massacre dans la neige. Au cours de la débâcle, Charles a disparu. À 400 km de là, au château de Plessis-les-Tours, Louis XI est endormi. C'est l'aube. Son bon cousin Charles, vaincu, probablement tué. Il attendait cela depuis 30 ans. Alors, raconte la chronique, il éclate de rire. Un rire interminable qui manque de l'étouffer. Le lendemain de la bataille de Nancy, un page bourguignon conduit le duc de Lorraine près d'un étang gelé. Là, pris dans la glace, le visage à moitié dévoré par les loups, le crâne fendu, méconnaissable, gît le très haut et très puissant seigneur Charles de Bourgogne, grand-duc d'Occident.